parole. On sait que la prendre ça vaut de l'or. Hamdoulay, on croit en Dieu, encore mieux que les droits de l'homme, insignifiance. Depuis que la violence est banale, faut que les racines, j'ai grandi avec Sylvain et Kamal. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Et chez l'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo que tu dis, jeudi. L'équipe, comme d'hab, tu connais la musique, je te regroupe, ça s'entraîne aujourd'hui. Je vais pas te faire de nouveau intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un film d'or, puis un commentaire, on commence à tuer tout de suite. Oh, j'ai bugué. L'équipe, comme d'hab, c'est des deux, je te regroupe, ça s'entraîne aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit film d'or, un petit commentaire, on commence à tuer tout de suite. Bah, l'équipe, pour commencer cette petite vidéo que tu dis, jeudi, y'a Moubarak qui a annoncé la sortie de son album qui va s'appeler Dans le Vrai. Et il sera dispo le 30 juin. Et il a publié justement bah, la cover de l'album. Ensuite, hier, il y a le retour de Fianso. Et il a sorti son clip qui s'appelle Je suis passé chez So 2023. Et c'est le retour des Je suis passé chez So. J'ai hâte de voir la suite, mais celui-là, c'est une pépite. Et en plus de ça, il y a Sadek, Lino et Colola R qui étaient dans le clip. Et il me semble qu'il y a d'autres personnalités. Ensuite, en parlant de Fianso, Fianso il a prêté sa voix pour jouer le rôle du méchant dans Tortue Ninja, qui sera disponible le 9 août au cinéma. Et en gros, il va jouer Superfly. Et il a prêté sa voix pour faire le rôle du méchant. C'est un truc de ouf, c'est dispo le 9 août. Ensuite, il y a Rimka qui vient de sortir un projet. Et en gros, c'est un projet qui recueille plusieurs morceaux non disponibles sur les plateformes. Entre 2013 et 2023. 10 ans quoi. Et il y a un titre qui s'appelle Halo. Et c'est vraiment un truc de fou, je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, avant de parler de l'affaire de Naël, je tenais à préciser qu'il y a plusieurs émeutes qui sont en cours. Et notamment dans mon secteur. Et en parlant de ça, il y a une vidéo qui est en train de tourner et c'est un policier qui s'est frappé. Sauf que cette vidéo, c'est un fake en fait. C'est simplement un court-métrage qui a été tourné et c'est le court-métrage de Bahao qui s'appelle Cabine et qui sera bientôt disponible. Et en gros, c'est une histoire qu'il a eue et vous allez tout comprendre dans le court-métrage. Et il y a un son en exclu qui sera dedans. Où en gros, ça va tout expliquer, tu vois. Et il m'a envoyé un message vocal pour m'expliquer et justement que j'en parle en vidéo directement. Donc, je tenais à vous en parler. Écoutez. Salam alaikum, Fico. Ça va ou quoi le ref? Tranquillement. Comme je disais à ton frère tout à l'heure, depuis avant-hier, depuis la mort du petit Naël, peu à son âme, et que Dieu facilite sa mère et sa famille dans cette épreuve, il y a les images d'un keuf par terre en sang qui tourne un peu partout sur les réseaux. J'ai vu sur plein de trucs et Snap et tout, on m'a envoyé ça. Donc c'est très bien, j'aime pas prendre la parole pour rien, t'as vu, à part que c'est pour parler de moi, tu vois. Donc là, j'ai vu ça tourner partout. Et ça fait genre dans... Et ils disent sur les réseaux, ouais, ils ont vengé le petit Naël, ils ont défoncé un keuf au Blanc-Ménil et à Bagneux ou je ne sais quoi. C'est du fake tout ça. Le keuf qui est par terre là, dans cette image, c'est un keuf, un comédien qu'on a pris pour mon court-métrage que je suis en train de tourner. T'as vu? Et on l'a tourné le jour du décès du petit Naël. Et il n'y a pas d'hasard, t'as vu? Le mec tombe. Moi, mon histoire de mon court-métrage, je raconte mon histoire là quand je me battais avec les keufs quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. J'allais à la cabine, je les appelais, je me battais avec eux pour ceux qui ont suivi l'histoire. Et donc, et ce jour-là, ça avait fait une émeute de fou dans mon quartier. Donc moi, ce jour-là, je suis en train de tourner des images d'émeute par rapport à mon histoire. Et en même temps, c'est en train de brûler à Nanterre et dans toute la France. Donc tu connais les gens, ils ont pris des photos du keuf par terre, du comédien. Ils ont fait comme si c'est un vrai keuf et qu'il était à terre. Ça n'a rien à voir. T'as vu, et moi, j'aime pas déjà. Je suis triste pour le petit frère Naël, déjà. Je pense beaucoup à lui parce que c'est des choses qui auraient pu m'arriver à moi quand j'étais jeune, quand je faisais mes conneries avec la police, tout ça. Donc qu'il n'y ait pas d'amalgame, c'est un tournage pour mon court-métrage. Ça n'a rien à voir. T'as vu, après, même ça peut inciter même les jeunes à se dire on va les taper des keufs, leur faire du sale pour manger Naël. La vengeance, ça va pas se faire comme ça. La vengeance, on va mener le combat, on va se mobiliser. Et pour ceux qui sont croyants, c'est des prières à faire pour ce petit frère, des doigts. Le reste, c'est que du vent. Donc voilà, Fico, comme je sais que tu es suivi par plein de jeunes, tu vois, juste passer le message que le keuf à terre, ça n'a rien à voir. C'était pour mon court-métrage. Merci, Fico. Force à toi. Donc voilà l'équipe, je tenais vraiment à remercier Bahao de m'avoir expliqué ce qui s'était passé et la vraie vérité, et je tenais à vous en parler en vidéo, histoire qu'il n'y a pas de quiproquo, etc. Tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe, mais en tout cas, cette vidéo, c'est issue d'un court-métrage qui s'appelle Cabine et c'est Bahao qui le tourne. Je te mens pas, c'est une dinguerie ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Heureusement qu'il y a eu la personne qui a eu l'intelligence de filmer. Des cas comme Naël, il y en a eu partout et... À chaque fois, ils nous ont raconté des histoires, la personne, elle a voulu nous écraser, nous aurait raconté une histoire, t'as compris? Donc voilà, qu'on fasse son deuil, qu'il repose en paix, que justice soit faite et qu'on se mobilise tous. Le ding-dong, c'est bien, mais les actions mieux que les paroles. Ensuite, on va parler de l'affaire de Naël, qui s'est fait tuer par un policier il y a quelques jours à Nanterre. Et hier, je vous ai fait une vidéo des rappeurs qui avaient réagi par rapport à cette affaire. Une vidéo de plus de 20 minutes. Et aujourd'hui, il y a eu une marche blanche qui avait eu lieu à Nanterre pour justement rendre hommage à Naël. Et il y a Rof qui était présent sur les lieux.
Et il y a plusieurs autres personnes qui étaient présentes, comme Sadek, Mokobé, La Flèche, plusieurs influenceurs, vraiment plusieurs personnes qui y étaient. Et il y a Rof qui a publié une vidéo en disant « Le peuple est avec toi Mounia, ça fait mal, c'est trop pour une maman. Hashtag justice pour Naël. » Et il a publié cette vidéo. Salam alaikum. Merci beaucoup. Mon frère, c'est quoi? L'armo, il est en paix là-haut. Il est tranquille. C'est un ange, c'est un ange, machallah. On va la rappeler à lui. Je t'aime, mon fils. Là, je t'aime, je t'oublierai jamais, jamais. On va pas dire qu'à la ville après. La vérité. Ensuite, on a également Kamel Ancien qui a réagi par rapport à cette affaire. Il a dit « La peur de l'embrassement après la victime de trop. Petit pays au bord du gouffre. Ça fait longtemps que ce pays va très mal. Au lieu d'aller faire les donneurs de leçons dans les autres pays, vous avez du pain sur la planche qui vous attend depuis longtemps. Certains font de la récupération politique et d'autres font de la récupération de buzz. Comme quoi, le ridicule ne tue pas. On vous voit. À bout portant, c'est pour tuer, monsieur l'officier. Vous savez ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est une réelle catastrophe. Hashtag Nanterre. » Et c'est la réaction de Kamel Ancien. Et il y a également Didier Hamida qui a répondu à Bruno Attal, qui va porter plainte contre Gradure. On peut voir que Didier Hamida, il a dit « Rajoutez-moi aussi, je suis pas rappeur, je suis juste un DJ chicha. Et je te le dis, t'es une grosse merde, sans respect. » Il a mis un caca en émoji. Et il y a également Jean Burbigo qui a réagi par rapport à cette affaire. Il a dit que la police soit gangrénée par des fascistes et des idées d'extrême droite et des milices même. On le sait déjà, on les côtoie tous les jours. Ceux qui découvrent, eh bien, écoutez, je suis... Voilà, nous, on découvre rien du tout. Et ça, c'est pas ce qui m'étonne. Et des polices qui assassinent, malheureusement, ça arrive et ça va arriver encore et on le sait. Maintenant, le voir le traitement qui en est fait et de voir la réaction des gens... Je sais pas ce que vous avez dans la tête, je sais pas ce que vous avez dans le cœur. Mon daron, il a 70 ans passé, il est né en France. À son époque, il y avait déjà des refus d'obtempérer, il y avait déjà des défauts de permis, il y avait déjà de la délinquance. Il n'y a absolument aucun rapport entre ça et l'immigration. Vous avez bien bien mal et vous êtes bien fait de laver le cerveau si vous arrivez à croire à ça. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux offrir tout ce que tu veux à ton enfant, tu peux être là chaque jour, chaque minute de sa vie. Il y a toujours des moments où tu ne seras pas là et quand on est adolescent, on a envie de faire des conneries et on fait des conneries quoi qu'il arrive. Moi-même, à 16 ans, j'attendais que tout le monde dorme pour aller prendre la voiture de ma grand-mère et je parais pour faire des tours. Et je l'ai fait. J'avais tellement peur de la réaction de ma daronne ou de mon daron que j'aurais pu faire un refus d'obtempérer parce que je ne veux surtout pas me faire péter. À quel moment vous pensez qu'on peut justifier l'assassinat, l'exécution sommaire d'un jeune de 17 ans ou même de peu importe quel âge il a? À quel moment, pour un refus d'obtempérer, une balle dans la poitrine ou dans la tête, à quel moment, dans quel pays, dans quel monde vous voulez vivre, bande de dégénérés mentaux? Ceux qui justifient ça, vous avez vraiment... J'ai honte de vivre dans le même pays que vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de combien ça coûte un loyer, de comment les courses ont augmenté, tout a augmenté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que les gens doivent faire comme heures sup, comme travaux, comme tout ce que tu veux, comme se serrer la ceinture pour pouvoir continuer de survivre dans ce pays. Et qui écoute, t'es une daronne qui travaille au McDo, son fils, il se fait, elle rentre, elle a que son fils, et il se fait assassiner dans la rue par ceux-là même qui sont censés protéger. C'est une dinguerie. Et ceux qui arrivent vraiment à justifier ça, vous n'avez pas de cerveau. En plus de ne pas avoir de cœur, vous n'avez pas de cerveau et vous faites honte. Honte à votre pays, honte à vos ancêtres, honte à l'humanité entière. Voilà. Ah là là. Et il y a également Benache qui a réagi en vidéo. Mais on va dire que sa vidéo, elle a fait polémique. Il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Salut tout le monde. J'aimerais parler revenir sur l'histoire du petit Naël. Voilà, j'ai pas voulu parler sur le coup de l'émotion directement. J'ai voulu prendre un peu de recul. Et pouvoir parler un peu avec un peu plus de recul, avec un peu plus de sagesse. Et pour moi, je pense que les deux sont en tort, clairement. Le policier en tort, on n'enlève pas une vie pour un défaut de permis, pour un délit de fuite, sachant qu'il n'y a pas... le mec n'est pas armé en face ou quoi que ce soit. Donc là, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a rien à dire. Mais pour moi, le petit Naël aussi en tort quelque part, sur le fait que
Il y a un délit de fuite, les gars. Il y a un délit de fuite. Soyons un petit peu réalistes et francs. Il y a un délit de fuite. Et si ceci se serait arrêté, il serait sorti comme le policier l'aurait demandé, ça serait, je pense que les choses se seraient passées autrement. Et je pense qu'on est tous, là, tous d'accord là aussi, sur ça aussi. Et, mais clairement, c'est pas, ça ne justifie pas qu'une vie soit enlevée ainsi, clairement. Et c'est ça qui est triste au final. Parce que les deux sont en tort, mais le fait qu'il y ait une vie enlevée, c'est ça qui est le plus triste. Et c'est ça qui fait qu'on se, tout le monde se soulève autant, car ça ne justifie pas. Mais j'espère en tout cas que justice sera faite. J'espère qu'ils feront leur taf et que justice sera faite pour les petits Naïl. Mais moi, j'aimerais revenir aussi sur tous ceux qui sont encore là, qui vivront demain des situations pareilles. Les gars. Les frères, les sœurs, tout le monde. Faites preuve de sagesse, d'apaisement. Arrêtons notre orgueil, notre ego, notre orgueil. Arrêtons de jouer les super-héros. Un policier dit t'arrêter, arrête-toi, frère. Un policier dit descendre du véhicule, descends, frère. Tranquille. Tu lui dis, vas-y, tranquille, je descends, y'a pas de galère. Je coupe le moteur. Tranquille, ma gueule. Sors du véhicule, baisse la fenêtre, tranquille. S'il y en a, ils roulent avec des défauts de permis, frère, tu t'es fait péter, frère. C'est le jeu, ma gueule. Donc à partir de ce moment-là, tranquille, apaise. Ok, je sors, il n'y a pas de galère. Si ce message-là, je vais faire passer. C'est que faisons preuve de sagesse dans des situations comme ça, pour éviter certains drames. Parce que ça va trop vite. Aujourd'hui, là, ça va trop vite. C'est les States. C'est comme aux States, frère. Ça va trop vite. Des fois, les policiers font des choses incompréhensibles. Donc, pour éviter, je pense qu'ils sont sous pression, ils ont plein de trucs aussi. Mais je pense que pour éviter tout cela, je pense qu'on devrait faire preuve de sagesse. Tout simplement. Il y a une situation, sort du véhicule. Ok, tranquille, je sors. Tout simplement. Et c'est ce message-là que je vais faire passer. C'est que faisons preuve de sagesse, les frères, pour éviter ce genre de drame, des familles qui pleurent, des mères qui pleurent. Quand je vois la daronne de Naïl pleurer comme ça, là, et... bon, ah ouais, ça fait mal. Mais, en tout cas, voilà, c'est ce message-là que je vais faire passer. Faites attention, les frères, ça va trop vite dehors, ça va trop vite. Bonne semaine à tous. Ensuite, il y a également Ryan Bensati qui a réagi par rapport à cette affaire. Il a dit « Et ils font des lois pour ne plus filmer la police. Ils sont forts. J'ai envie de vomir en voyant les images. Force à la maman, à la famille et à tous les proches du petit Naïl. Hashtag justice pour Naïl. À la Yarmo. » Et juste après, il a dit « Hey, tous les connards et connasses qui m'écrivent pour me dire que le petit avait pas de permis et a fait un refus d'obtempérer, je vous bloque direct. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion de merde ? On parle d'un petit de 17 ans qui a fait une erreur de gamin. Pas d'un terroriste, bande d'imbéciles. Et dommage qu'un cœur ne s'achète pas, parce que j'en aurais acheté deux pour certains. Les messages me font vomir. Où est passée notre humanité ? Et je le répète, je ne suis pas pour la violence, mais pour la justice. Et il y a également Fianso qui a réagi en vidéo, puisqu'en gros, il y a des médias qui lui demandent de faire une interview et d'apaiser les tensions. Et il a réagi directement en vidéo. Regardez. Salam à tous. Vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de réagir à chaud ou de parler à tort et à travers sur des sujets d'actu, mais là, en fait, ça me touche trop. Donc voilà, mes premiers mots, ils seront pour la famille, évidemment. Je pourrais pas être là à Nanterre aujourd'hui, je suis désolé, je suis loin de Paris. Mais c'est une belle initiative et j'espère faire partie des suivantes. Je viens de raccrocher avec Maître Cambla, qui est en charge de l'affaire, qui me confirme bien que c'est pour meurtre qu'il va y aller. Et son collègue aussi, là, celui qui dit shoot-le, là. Numéro 2, tous les journalistes, là, et les politiques qui m'envoient des messages. Oubliez-moi, je vais jamais vous servir la soupe. D'accord, je viendrai pas dans vos médias pour faire des appels au calme, etc. Je le ferai pas. Je prends la parole parce que les mecs comme moi, ils me demandent de prendre la parole. Et pour les miens, protégez-vous. Protégez-vous, on l'a fait en 2005, aujourd'hui on est vieux, on est des pères de famille, on vous voit, votre colère elle est légitime de fou. Mais protégez-vous et protégez les petits. Protégez les enfants. Là les enfants ils crèvent dehors. Ça brise le cœur, vraiment. J'ai même pas les mots. J'ai été de tous ces combats et je vous rassure, on n'est pas débranchés. Mais on n'est pas débranchés du tout. Je salue tous mes collègues qui ont fait des sorties sur les réseaux sociaux. Qui s'exprime, qui parle. Vous avez raison. Pour ceux qui alpaguent les autres, qui parlent pas forcément, sachez qu'il y a des gens qui font des choses en silence toute l'année et qui attendent pas qu'il y a la merde pour faire des tweets. Voilà, je vais pas raconter mon dos trop longtemps.
Je vais juste vous dire qu'on n'est pas débranché. Pas du tout. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Bientôt y'aura plus de CO2. On sait que l'état est toxique, rien à voir à ce champ de bœuf. La parole, on sait que la prendre ça vaut de l'or. Hamdoulaye, on croit en Dieu, encore mieux que les droits de l'homme. Insignifiance, depuis que la violence est banale. Faut que les racines, j'ai grandi avec Sylvain et Kamal. Du truc. Voilà l'équipe, 61 sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements. Vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, c'est un pote, mets ton jambon sur le bâton. C'est juste pour référencement. Ouah, j'ai rien compris moi-même à ce que j'ai dit. Donc voilà l'équipe, et tiens, au passage, on va faire la météo. Dites-moi dans les commentaires combien il fait chez vous. Là, il y a de l'orage, mais il fait chaud de ouf. C'est une dinguerie. Ah ouais, je suis déjà sorti pour mieux que sur toutes mes vidéos et mes excuses. J'avais plus d'air encore une fois, presque je tombe. Peace les gangs. Vision floue sur ma dernière gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voix se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moins des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des canets. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son a capté. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquilles ont plein faut vis qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bibib t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.